les élus sans la population n'y arriveront pas. Je pense que vous l'avez compris, votre mobilisation en est la preuve. Ce combat, il va aboutir, je l'espère, favorablement. En tout cas, on y croit tous. Mais vous devez également y croire, et je pense que Paris ce soir vous regarde depuis la webcam qui est à l'assaut départ. Je pense que Paris va vraisemblablement comprendre la motivation de la population côté de ses élus. Les élus soutiennent de manière indéfectible toutes les actions qui vont être entreprises par le collectif et la population pour apporter votre soutien, pour faire comprendre que ce dossier plateau continental, c'est vraisemblablement une nouvelle page que nous écrivons dans l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et cette page nous devons l'écrire ensemble. Donc, restons mobilisés, vos élus resteront mobilisés, mais vous devez être à nos côtés et nous serons à vos côtés dans ce combat. Merci à tout le collectif, si on peut les applaudir. Merci à tous ceux qui se mobilisent. Et ce collectif, il sera de plus en plus fort, j'espère, si vous le rejoignez, parce que vous pouvez tous y venir, vous pouvez tous y participer. Là, on soit encore plus nombreux, parce que Paris nous a déjà entendus, certes, mais pas encore complètement compris. Donc il n'est pas question de s'arrêter aujourd'hui, il est question aujourd'hui de vous dire merci, de dire à la France qu'on est tous là, qu'on se battra jusqu'au bout, tous ensemble, l'ensemble des élus, l'ensemble de la population. Et je crois que c'est ça qu'il fallait redire aujourd'hui. Il y a eu des avancées, les jours, on n'en est pas grand, mais on sait se faire entendre. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il ne fait pas chaud et il y a des moments symboliques qui vont se passer maintenant. Place sans doute à ceux dont le métier était la mer et dont le métier est encore la mer. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon a vécu, vivra de la mer, je le souhaite. Moi, je rentrerai sur Paris dès samedi pour continuer le combat. Et ce combat, je peux le continuer que si vous, ici à Saint-Pierre... Ah, j'ai débranché le truc. Si vous, ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous le continuez aussi. Alors merci à tous. Merci d'être venus. Et puis continuons notre marche vers... certainement un dépôt de lettres, je veux le croire, mais une lettre qui réponde à ce que l'on veut et pas une lettre qui serait un peu bateau. Nombreux pour venir soutenir le collectif. Ça fait chaud aussi au cœur de voir les élus rassemblés et solidaires dans ce mouvement. On m'a posé la question de savoir si je croyais au dépôt de cette lettre. Les gens qui sont sur le bord du saillage, faites attention au cordage quand il va se raidir un petit peu. Le Doris est rendu à la côte moins 64 et on va le monter tous les jours d'un mètre. La côte. Thank you.
Le 23 février, on a été vous déposer une requête adressée au président de la République. Est-ce que depuis le 23, il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez des informations complémentaires à nous donner, en dehors de ce qui nous a déjà été dit, évidemment, par les journaux, par les élus, etc. Bien, merci monsieur le Sauvec, mais enfin, vous m'avez fait venir de loin, j'étais à côté du Doris France, là, pour que vous me demandiez de vous rejoindre, après vous avoir tous entendu. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que, bien évidemment, moi étant ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme vous tous, je reste dans l'attente, je dirais, des engagements qui ont été pris lorsque nos différents parlementaires ont été reçus à Paris, tant par le Premier ministre que par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur qu'accompagnait le secrétaire d'État à l'Outre-mer. Et de ce que j'ai cru comprendre, comme nous tous, c'est qu'il y avait un côté particulièrement favorable à l'expédition ou à l'écriture de cette lettre. Mais je suis comme vous, je dirais, dans l'attente de la finalisation de cette affaire. Et il est un fait sûr et certain que dès que je saurai exactement quand ceci sera soit terminé, soit finalisé, soit signé, je pense que vous serez le premier, monsieur le Sauvec, que j'informerai dès que j'aurai reçu confirmation de cet élément. Mais à ce jour, je suis comme vous, je profite de la fraîcheur et du beau temps ici pour voir le lancement, mais je trouve que quand même le Doris bleu-blanc-rouge devrait avancer, être au moins à la même hauteur que le petit Sauveur à ce jour. Mais qui sait, peut-être qu'il le dépassera un jour. Merci beaucoup. C'est ce que l'on espère en tout cas, nous c'est ce que l'on attend, hein, qu'il aille le plus vite possible. Merci monsieur le préfet, et je voudrais aussi vous dire que nous aurons très prochainement l'occasion de vous reposer la question, puisque je vais proposer à ce que nous nous rejoignions ici tous les mardis pour venir vous poser la question, savoir si vous avez de nouvelles informations. J'espère que tous les mardis fera ce beau temps-là de façon à ce que vous soyez nombreux, mais si je suis présent sur le territoire, bien évidemment je serai là pour vous répondre. Merci. Merci. Je vais remettre.